Bonjour, je suis Dominique Leroux, coordinateur à Surditude 22, pôle adulte du centre Jacques Cartier. À mes côtés, Nadège Comereuc, interprète en langue des signes. Surditude 22, par ses trois services, essaye de répondre au maximum dans un but de participation sociale et d'inclusion sociale des personnes sourdes, devenues sourdes ou sourdes aveugles. Nadège Comereuc, service d'interprétariat, intervient pour des demandes individuelles de personnes sourdes, mais également pour des administrations ou des entreprises, à la fois pour traduire en langue des signes vers le français parlé, ou le contraire du français parlé vers la langue des signes. Le SAVS, Service d'accompagnement à la vie sociale, accueille également des personnes sourdes, signantes, plus dans un esprit de médiation et d'une relation d'aide. Elle accueille également des personnes malentendantes ou devenues sourdes, notamment pour le plan de compensation des aides techniques et l'aspect accessibilité, notamment mise en place de boucles magnétiques, sensibilisation auprès des administrations et entreprises. Le troisième public, les sourds aveugles, public donc qui est touché par un double handicap. À ce titre, Surditude 22 a un partenaire privilégié qui se trouve en proximité, donc un service d'accompagnement à la vie sociale pour déficients visuels, la Villeneuve de l'association Voir Ensemble, et pour lequel on essaye de répondre au mieux et en proximité au domicile des personnes.